Et on est reparti, encore désolé pour les petites chutes d'FPS de temps en temps, je m'excuse, mais je peux pas faire grand chose. Voilà, j'espère que vous me pardonnez pour ça. Là, c'est le fail. Là, c'est le refail. On va attendre du coup que ça se remonte. Comme ça va me retroll. Aïe. MDR. À moi dessus, t'attends quoi? MDR. J'attends, hein. J'ai rien à gagner à ne pas attendre. Allez, on va le finir. Prêt à mourir, Jedi? Ça ne sera plus très long. BD, Steam! C'est juste, mes frères. Ouf! Tu es l'intrus! Tu vas devoir faire mieux que ça. Ah ouais? Vas-y, sans regarder. Vas-y, sans regarder, vas-y. Tu ne t'en sortiras pas. Je regarde pas. Oh, je regarde pas. Je me balade. Bon, il veut pas, hein. Il veut pas me tirer dessus, ce bâtard, là. Bon, tant pis pour toi. Est-ce que je peux faire un truc, là? Non. Il y a une petite cachette. Avancez, mes frères. Je comprends pas où je dois aller. Et le Jedi, suivons-le. Je crois, c'est chaud, hein. L'intrus est ici. C'est compris. Voilà, salope. M'a gavé. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à nous revoir, mais il y a sûrement un passage plus discret. Genre ici, au hasard. Lance-moi un Steam, BD. Je te revaudrai ça. Pour être franc, je ne savais pas que c'était là quand j'ai abaissé le pont. Je voulais seulement voir ce qui se passerait, comme toi avec la découpeuse sur Kashyyyk. Qui est parfait. Tu veux voir ce que c'est? Oh, t'as trouvé quelque chose. Il a déjà eu trop de morts. Il est trop dangereux. Nous devons le tuer. Non, emmenons-le à frère Viscus. T'es un petit frère Viscus. Hein. Qu'est-ce que c'est, Billy? Alors, les petits trous, hein. Les petits trous, comme on dit.
Ah, même les. On peut même rappeler plus vite au. Ah putain, mais quelle joie! Quelle joie! Genre un point de compétence, hein. Il en faut 3 pour aller le plus gros truc en vrai. Alors, moi je viens de là-bas, je crois. Ok. Là, il y a un mec, on pourrait lui sauter dessus. Je pense que c'est mieux d'aller là-bas. Ok. Et comment il fait? BD, la Steam, lance! Il va carrément adopter les araignées quand même. Bas sans doute. Ah bon, on va visiter un petit coup là. Ah ok, j'ai compris. Je vais le mettre là. Bon, ça s'écroule, je pense. Bon, faut toujours regarder si on n'a pas oublié un truc. L'air d'avoir rien oublié. Juste à ça le. Ça sert juste à ça le cube là. De bois. Tu veux vraiment voir ce qu'il y a dedans ? Voyons ce que t'as trouvé. Ça paraît bizarre que ça sert qu'à ça. Ah bah si, c'est pour rentrer, je peux pas rentrer autrement. Ok. Ça me va alors. Je t'ai trouvé un truc. Moi aussi, j'ai trouvé. Ça ne m'arrêtera pas. Je ne te laisserai pas faire. Je refais un petit tir pour voir. Non, tu veux pas? Bon. J'en ai assez d'attendre les instructions de la sœur. Nous devons agir et nous occuper de l'intrus. Donc t'es là? T'es où? Il est pas là? Un vaisseau s'est écrasé dans les marais. Fais attention. Je sens un grand danger. M'énerve que lorsqu'ils sont en vie là-haut là. Viens là! Ah, c'est mieux ainsi. Je
J'en suis où là du coup? Ah ouais, je suis tout en haut. Ah ouais. On a fait de la route, hein. Si on va le revoir, le mec qui vole. En vrai, c'est pas impossible qu'il aurait, c'est quand même un point de vie. Bon, il s'est écrasé, ok, mais est-ce que peut-être qu'il survive, quoi, tu vois. Revenir à la fin, quand on décolle ou autre. On verra. Cal, tu as trouvé le tombeau? Oui, presque, mais j'ai dû faire un petit détour. Grise a l'air bizarre. Il jure avoir aperçu quelqu'un près du Mantis. Datomir lui brouille l'esprit. Ah bon, il est pas toujours comme ça? Est-ce que ça va? Je n'ai pas de vision, donc... Oui. Je sors d'un village des Frères de la Nuit. J'espère être sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ouais. Et puis, BD est là. Ouais, donc il y a vraiment quelqu'un près du vaisseau, ça veut dire. Comment la Sœur de la Nuit, d'ailleurs. J'aime pas. Les amoureux, toi? On a fait le grand tour, donc la porte là elle servait à ça. Et ben. C'est tout. Eh ben putain. Waouh, on va se garder là, hein, comme ça au moins on n'a aucun risque de lose des trucs. Deux points. Peut-être avec deux points on peut faire des choses, attends. Deux points on peut faire en bas à gauche. Ah, c'est un point même. Non, c'est deux points. L2 et R2. Une traction puissante qui attire brusquement les groupes d'ennemis vers Cal. L2 et R2. Ça sert à quoi de les attirer vers moi? Pas très envie de les attirer vers moi. Cal récupère de la puissance lorsqu'il utilise une capsule. Ah bah ça c'est cheaté ça. Et j'aurais dû augmenter la santé là, mais c'est pas grave. On a presque tout l'arbre en vrai. Pas aller là, c'est un raccourci. Ouais, c'est un raccourci là. Ah, l'étranger n'est plus là, mais quelle surprise! Aucune trace du vieil homme. Je me demande si les frères de la nuit l'ont eu. Il est devant le vaisseau, il doit être. C'est un méchant sans doute. Et voilà, on grimpe comme un petit singe. C'est sûrement le tombeau. Ouais, il va y avoir des meufs qui vont sortir de là. Et là-bas. Un petit coffre là? Même pas un petit coffre. Curieux, hein. Ok, BD, qu'est-ce que c'est? Mon ami, la quête de l'Astrium nous a menés au tombeau de Kuzek. Ok. Yeah. Screamer.
quoi que ça puisse être, c'est parti. D'accord. Avec plaisir. Parfait. Tu pars t'entraîner ? Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. Salut. Il paraît qu'on va avoir de nouveaux ordres. Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. Est-ce qu'on quitte Braca ? Possible. Lui fais pas de fausse joie, c'est rien que des rumeurs. T'en fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître... Ouais, il faut que je file. T'as l'air bien pressé. Maître Tapal m'a appelé pour m'entraîner. Vas-y, assure. Maître Tapal ? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître ? Viens nous rejoindre, et ne traîne pas. Bien. Pas trop. Planifie tes actions avant de t'engager. Ok, je remets un vocal là. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Dépêche-toi, Cal. Je comprends pas, il va se... comment je vais là-bas, je... c'est pas logique. Je peux faire ça, je peux faire ça. Le saut, ça marche pas. Courir sur les murs, ça marche pas. N'oublie pas, la chance est un choix. Derrière, il me laisse monter par là. Tu y es presque. Je comprends plus rien, moi. Je peux pas monter là. Comment je fais? Ah. MDR. Mais putain! C'est... Mais les sauts vont pas assez loin. Trampoline il répondit pas assez loin aussi. Voilà. Merci, bordel. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. C'est mieux, Padawan. Rejoins-moi. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial. Il faut... Maître, est-ce que ça va ? Quelque chose ne va pas. Non ! Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Va au module de sauvetage.
par les couloirs de maintenance. On s'est entraîné. Tu t'en souviens? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas, mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Allez. Va-t'en! Le voilà! Abattez-le! Non! Stop! La balle prend la fuite! Il nous faut des renforts! Je dois tirer ça pour passer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On a le Jedi en visuel. Aucune trace du plus jeune. Fouillez partout. Il doit pas être bien loin. L'air s'est encore arrêté. Hé! L'air s'est encore arrêté. Hé! C'est quoi ce bruit? Monte la garde. Je vais fouiller la zone. On essuie des pertes. Ta balle a éliminé plusieurs escouades. Tirez à vue. Bien sûr. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? C'était quoi? Un truc dans les couloirs de maintenance. Je crois que j'approche du turbolift. Il est pas très loin après ça. Manuel est juste là. On ne pourra s'échapper que si tu la quittes. Oui, maître. On a coincé ta balle dans le sas. Envoyez des renforts. Jaro, ta balle est de l'autre côté de cette porte? Ouais, mais il passera pas au travers. Ce serait trop long de découper la porte avec son sabre laser. Attendons-la jusqu'à ce qu'il soit encerclé, et puis on ira le descendre. Attention! Vite, Padawan! Nous devons partir! Les commandes de la porte! L'explosion couvrira notre fuite. Cette guerre
n'est pas fini, mon Padawan. Reste à l'écoute. Attends le signal du Conseil Jedi. N'oublie pas, n'accorde ta confiance qu'à la Force. Oui, maître. Padawan, il est l'heure de commencer la leçon. Oh là là! Ta technique laisse à désirer. Tu es faible, tu manques de discipline. Tu laisses la peur rompre ton lien avec la Force. Tu m'as laissé mourir. Oui, je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec, à la faiblesse, tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi! Non! Ah, mon sabre est cassé. C'est cassé. Non. Le cristal s'est brisé. Inutile. Tout. Bon. Eh ben, on a plus de sabre. Voilà. Tant pis. Alors. Est-ce que tu dois retourner au vaisseau, du coup ? Quelle est ma mission ? Non, on ne va pas retourner au vaisseau. Je peut-être genre en arrière, il y a peut-être une cinématique qui va se déclencher. M'aider ? Merci. Allons, allons-nous-en d'ici. Okay, je ne sais pas, BD. Je ne me l'explique pas moi-même. Ah ! Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Est abandonné, tout seul, égaré, et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fus un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Oh. Nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous, et je suis allé me cacher dans cette... endroit maudit. Les ténèbres ici... m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des frères de la nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la Force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la Force afin d'obtenir le pouvoir, c'est... c'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. Tu as vu quelque chose là-bas, pas vrai?
quelque chose d'horrible. D'atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryn, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille. Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière. Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. Datomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de Datomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes. C'est vrai. Vous êtes entourés de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Idiot ! Ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler ! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de Datomir, c'est les affronter toutes ! Oh putain. Démarrer le mantis. Qu'est-ce qui se passe? Une sœur de la nuit. Elle a réveillé des morts. Ils me pourchassent. Oh, oh, oh! Et tu les amènes ici? Capitaine, c'est le moment de décoller. Il y a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord. Décolle. Raconte-nous, tu as trouvé le tombeau? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Kahl. Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Kahl, tu n'étais qu'un enfant. Non. Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux, et si je l'avais écouté. J'aurais pu le sauver. Je le sais. Kahl, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé. Quand j'ai échappé à l'Empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle.
pendant longtemps. Je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie, c'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Cal, ce ne sera pas facile. Ouais, mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. Ok, c'était nice cette petite cinématique, etc. Là, c'était pas mal. Mais on va couper les règles, les amis, et on se retrouve juste après.